Aïssé Fremsem, téléphone m'a sonné en pile hier soir. Et en pile compatriotes haïtiens, que ce soit en dedans ou à l'extérieur pays, a brûlé dans le téléphone et a envoyé un message tout. Mais son seul bagage qui a écrit. En bon créole, oui. Et là, mon anglais pour appel là, on seul bagage qu'il dit. Ma répétez nous exactement, j'en vous dis là, textuellement. Tenez bien, oui? Yo dit nous, est-ce que vous mangez PM? Moi, je me réponds, je me dis PM non, selon l'information que nous gagnons, PM non, gagnons malaise. Il est obligé de courir l'hôpital à Smavel, et bien il prévoit pour quitter le pays. Alors, c'était hier soir. Pour matin, pour tous les amis qui voient un message que je peux répondre, je fais nous connaître que, selon toute dernière information que nous gagnons, et je fais nous connaître que l'état santé, pour le ministre Gary Conille, commence à améliorer. Et, mais jusqu'à 9h45 du matin, il était toujours l'hôpital. Et l'autre information que nous avons gagné, il fait nous connaître que l'a quitté l'hôpital là jeudi, qui c'est dimanche 9 juin 2024 là. Ça veut dire qui ça? Li commencé faire mieux. Li pas nécessaire pour que il rete l'hôpital là toujours et même l'idée pour que il te quitte pays ensemble avec là pour aller prendre soin à l'étranger, monsieur que c'est à États-Unis, il dit il pas besoin ça encore parce que état santé li, eh ben li stable. Et ça te bail en pile que sauter, il y a en pile monde qui a parlé et il y a en pile monde qui a posé question, dit que eh ben si toutefois ça arrive monsieur bas, naturellement tout pour n'a comprendre et que pays ça et nèg avec femme qui a fait politique là dedans pour pas d'accord avec un bagage même pour une seconde debout la gueule il y a vidéo à terre et mon yo al pile on pour dire comme ça que si nèg yo te joine pour te ba Jovenel Moïse la main pour te ba Jovenel Moïse manger eh ben le conseil Jovenel Moïse pas tape là en douceur même j'avec ancien président René Garcia Préval c'est des gros bagages qui a parlé oui mais par contre ça derrière ça mais yo dit clairement en Haïti nèg qui dans secteur privé là li gen piki. Li gagne tout ti bagay net pou le faut avou pou yo empoisonné ou. Si yo doit vivre 2 heures de temps dans la vie ou encore, ou a vivre 2 heures de temps. Et moun al pi loin ou di konsa ke Préval pa ka fè 2 heures de temps comme si m'a dou résister. Ki sa l'te pran? Aïe aïe aïe. Ba konnen papa, c'est de gros cause oui. Et en dedans la République, situation il a évolué, en pile pa ou l'a parlé et gen moun ki gete alors ki gete fè calcul ki dit tête Clément comme nèg yo te fait yon plaidoirie dit comme ça que oui et PM nan son PM qui la à moitié PM nan pou ko installer définitivement li pou ko chef tout chef là et que équipe li qu'elle pense que équipe li pense hein et PM nan jusqu'à maintenant geti problème ça veut dire que grand pile monde qui geta pensait que premier ministre AI qui c'est ministre et finance en même temps qui c'est Michel Patrick Boisvert et monsieur vire été comme premier ministre. Et monsieur t'a envisagé bah en pile l'argent avec des conseillers qui ont dedans coulev 7 traites plus 2 traites 9 traites là pour que t'a va aider le rete là comme premier ministre. Maintenant ça que m'a permettre nous comprendre et position pas que me toujours gagner peut-être et en pile dans nous qui doit pas d'accord mais quelque part me toujours demander nous patience OK pour que nous font temps de moins parce que m'ai position même m'exprimer me détailler raison que fait gagner là. Et alors pour monde qui est position sous dossier communauté internationale toujours responsabiliser sur ça qui a passé dans pays d'Haïti même a dit nos grandes bagaille Gary Conille rentré dans pays là pour bailler l'en coulève cette traite là dit que c'est yo qui choisit ça veut dire que qui choisit ça veut dire que yo endossé par le fait que yo endossé li et ben yo même yo gain responsabilité là et ben même yo même non qui te font paquet moun vini. Par exemple, moi, Jean-Charles, représentant moi, Jean-Charles, te gen moun pal que te besoin, vini faire premier ministre. Moi, Jean-Charles, te gen non deal seulement. Même représentant moi, Jean-Charles, qui en dedans, et coulève cette traite là, qui gagne yon candidat pour poste premier ministre en tout, nan jet coquin, li pa vote, candidat que moi, Jean-Charles, te propose ya. Ça veut dire que moi, Jean-Charles, fait, représentant en dedans, coulève cette traite là, vote Gary Conille pito. Gren moun qui pa vote Gary Conille, c'est représentant, oligarchien, qui c'est Laurent Saint-Cyr. Ce n'est pas le fait que M. Pat là. M. Pat a un mandat pour te voter pour lui. Mais sinon, Gary Conille a passé à l'unanimité. C'est un lot qui baille. Et ancien sénateur Edo Zenite dit, c'est une instruction que vous avez monsieur. Vous dit monsieur, votez Gary Conille. Eh bien, je dis que
Et moi j'ai fait plusieurs émissions et monsieur autant d'émissions en pile tout et yo pas prend ça nous dit à la légère. Qui ça que dit? M'dit pour bagalan m'a cherché connait un petit crasse de Gary Conille. Parce que pas oublier Gary Conille était premier ministre sous président Jovenel Moïse. Alors pardon, sous Joseph Michel Matéli pardon et sous président Matéli. Président Jovenel Moïse m'a jambli yo. Nous salue pour courage et pour force côté gagné bataille qu'on a mené pour nous pour nous cocaler n'a djo bataille pas camper justice pour président Jovenel Moïse pendant que nous fait glisser ça m'a prendre tout le monde dans espace commentaire là écrit justice pour président Jovenel Moïse pour moi c'est très intéressant et fait ça pour nous justice pour président Jovenel Moïse alors m'a dit nous que et docteur Gary Conille il était premier ministre sous Joseph alors sous Joseph Michel Matéli en 2011. Monsieur passé 8 mois dans tête primature là. 2011-2012. Et c'était blanc sur l'information que tu as supporté monsieur. Parce que pas oublier monsieur c'est un pro équipe Clinton ou bien la famille Clinton. Et par la suite, équipe PHTK a besoin pour que on gère un pile gros décaissement dans affaire qui gè pour avec gros l'argent fonds Petro-Caribé. Malgré ça, sous Gary Conille, c'est la gros décaissement qui a commencé. Chiffre, c'était 210 750 000 dollars américains. C'était sous Gary Conille. Jusqu'à maintenant, pour qu'on ait une explication, qu'on est que il y a des juges qui étaient invités Gary Conille. Les patrons venu, le juge a même mis un mandat derrière Gary Conille. Ça a été là, mais nous pouvons là maintenant. Et ça que mal dit avec arrivé Gary Conille, pour un pile monde qui pensait que, par le fait qu'il y a une bataille contre Koulev 7 traite plus 2 traite, fait 9 traite là, il y a des gens qui pensent nous allons tout virer projecteur nous pour nous mettre pour Gary Conille qui sont ballon neuf. Non. Gary Conille qui était à Haïti, pardon, c'était en 2012, il s'est tourné en 2024. Ça veut dire que il s'est tourné 12 ans après. Comprenez très bien. Le Gary Conille était dans le pays, qui est l'âge que je gagne. Ça veut dire que il y a un monde qui peut-être. Et à peine après 18 ans moins, ou bien 18 ans moins, ou bien 18 ans moins, pas qu'on est, peut-être l'âge ça yo. 12 ans de cela. Mais là, ça, est-ce que, m'dap suivre l'actualité politique, m'te gon idée vraiment, parce que m'te gon focus, n'entendez, de l'émission politique. Honnêtement, m'te vraiment teaser ça. M'te toute radio net, m'kon tout l'œil yo, m'kon tout émission net qu'on est. Y a des gens qui ont dit comme ça que, si m'pap malade dans l'oreille. Parce que mon petit téléphone a ti casse moi dans les oreilles moi pas un côté me passer pour me pas attendre ces émissions politiques moi et ça qui cause moi dis nous moi gon facilité pour me parler de politiciens haïtiens et journalistes traditionnels haïtiens parce que moi qui mode de fonctionnement yo moi qui stratégie que yo développer là au besoin de démolir pays a moi qui stratégie que yo développer là au besoin de défendre intérêt patron yo me connais yo d'un pas moun qui te gen ambition politique ou bien al militer des nèg ka fè politique non. D'ailleurs, c'est mon approuvez que mieux, qu'on vient de prendre pour se connaître. Il vient de mettre là, comme si c'est venu l'école là, et puis organiser où, et puis faire l'autre, faire, il n'y a pas ouvert comme politicien. Parents, en province, il n'y a pas jamais pensé même pour une seconde, comme si, où doit l'entendre dans la politique. Ça ne m'a pas gagné la tête pour tout. Eh bien, je me dis que, avec arrivé docteur Conille, et je cherche à connaître qui est-ce qui est Gary Conille. Je nos amis qui disent nous bientôt, Gary Conille, c'est petit Duvalier Ris. Ah, attendez bien, oui. Et son proche, François Duvalier, qui papa Gary Conille. Attendez bien, oui. C'est un proche, Duvalier père, qui était papa Gary Conille. Et on dit, son nèg sérieux. Son nèg qui a un caractère. Alors, c'est que nous dit que, on moun proche, père François, là, il est clair pour que nous connaissions que nous n'avons pas l'autre mode de fonctionnement. Ce sont des gens qui sont on sadique. Et on dit que c'est un patriote. Et même si Conille, il n'est pas pour docteur Conille. Il n'est pas pour docteur Gary. Mais j'espère que Gary Conille a 58 ans. Monsieur travaille même, j'ai pas parlé pour quitter nos propre pour petit lit. Monsieur, il a une chance ça. Haïti trouve le cas fou côté que, quel que soit action concrète opposée, qui capable de permettre que PEP ça joue une possibilité pour l'évacuer avec occupation librement, m'a pas bon mentir ou ka sorti comme un roi dans le pays d'Haïti.
Les fêtes à Burkina Faso, actuellement là. Capitaine, jeune capitaine Ibrahim Traoré, 33 l'année. Fait un coup d'État. T'es un Poutchis qui te fait un coup d'État qui te prend pouvoir. Poutchis après les affaires, et bien lui avec l'équipe, lui retire Poutchis, lui prend pouvoir. Actuellement là, à Burkina Faso, sous 10 moun, peut-être, si vous avez joué, yon moun, critique envers, président de la transition, comme un chef, l'armée, qui c'est Ibrahim Traoré. L'extrêmement difficile pour jouer un Burkinabé hostile envers le président. Parce que tout simplement, il y a une volonté réelle. Monsieur Fayou connaît que l'on a besoin ou besoin riche. Pardon. Ce n'est pas dans l'État pour venir riche. L'on a besoin de faire l'argent ou rentrer dans le business ou investir ou travailler et pour faire profit jusqu'à ce que. C'était basé pour vivre millionnaire. Mais dis question pour on est rentré dans l'État, ou que tout privilège pendant peuple a souffri, ou pas encourager rien dans production nationale dans le pays, ou botter l'argent, monsieur dit ça fini. Et ouais, c'est peuple là même qui a préjoui, c'est peuple là qui a bénéficié et tout ça qui a posé comme action concrète, c'est peuple là même, c'est pour peuple là que la pied et peuple là comprendre ça. Yo supporté monsieur avant hier et peut-être et ben moi le 6 juin, Nations Unies a un rapport que le produit sous autorité gouvernementale Burkinabé. Rapport estime que il dit comme ça que Ori Gibastonade cap fait gain violation systématique des droits humains cap fait et à Burkina Faso. Oh, gouvernement pas même gétant pour répondre. Peuple souverain, peuple burkinabéen déplacé. Côté jeune capitaine Ibrahim Traoré, hein? Parce que m'a dit là, me trouve tellement important, il faut que me ta mette et capitaine Traoré sur écran. OK? Permettez-moi ça parce que moi même son jeune garçon et même j'avais même que monsieur et monsieur gagne 2-3 ans en plus moi, mais m'a dit nous que monsieur gagne caractère. Voilà. Bon, faut-il mettre monsieur sur écran. Camarade, voilà. Je souhaiterais donc qu'on puisse rendre grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Qui nous a montré ce jour, oui. Et qui nous a permis de nous retrouver ici. Très bien. Rendons hommage à nos FDS et nos vaillants VDP qui se battent au front. Et c'est grâce à eux que nous pouvons nous retrouver ici. Pour communier. Rendons aussi hommage à vous, ceux-là qu'on a baptisé les Waïa. Yeah, peuple. Qui veillez jour et nuit. Très bien. Vous qui veillez sur cette transition, vous qui veillez sur l'itinéraire que nous avons tracé. Très bien. Merci beaucoup à vous. Très bien. Jeune capitaine Ibrahim Traoré, c'est lui qui sous écran là. Permettez-moi de faire tirer ça parce que nous n'a parlé avec Dr Kony pour des ravettes qui pensaient que. Avec arrivé Dr Gary Kony, nous même dans Infobeto, nous avons campé pour nous faire bataille et avec plateforme média en ligne contre Dr Kony. Attention, nous c'est monde qui est tête nous bien placé sous épaules nous. Et nous comprenons le combat que nous avons mené. Go côté nous sorti, go côté que nous prallons. Au coup de la route, bien sûr, nous avons des stratégies. Nous connaissons que nous avons de nouvelles têtes qui sont venues. Nous connaissons que des gens qui ont fait paraître en face nous, c'est pour désorienter nous, c'est pour faire nous comme Simdadjo. Et retirer conviction nous sous ligne qui sous itinéraire qui était tracé. Mais par conséquent, m'a dit monsieur yo, c'est comme si m'a dit son rail train nous chita sous lit et nous bien chita. Et rail là, Jean le fait là pas de possibilité dans route pour nous dérouter, pour nous dérailler. Nous gon seul côté nous aller. Oui, gè de côté, gè bas peut-être, nous capable faire tirer ralenti pour nous comprendre et route là bien, mais naturellement nous gon côté nous braler nous gon destination. Et ben moi dit que m'a suivre très bien jeune capitaine parce que m'a parlé de conviction moun ki remet peuple yo moun ki gen possibilité pour fond bagay pour pays yo et ouais prend pays avoir fond bagay concrètement pour pays yo. Jeune capitaine Ibrahim Traoré permettre moi prendre exemple et les vivants ça les clair devant tout le monde et actuellement là à Burkina Faso maman Pemba m'a ba menti ça moi qui passer dans pays ça son va être chargé. Vraie coopération entre la Russie, OK, la Fédération de Russie et
trois pays qui mettent ensemble qui forment la AES là, qui c'est Burkina Faso, Mali et puis Niger avec général Tchani qui fait coup d'état tout dans le pays Niger. Vous comprenez? Au Mali, gagné tout. Et jeune colonel Assimi Goïta qui fait coup d'état tout, qui prend pays. Hein? Négio, tu as une coopération avec la France comme si des dizaines d'années. Qui va jamais porter résultat même bon seconde. Théorie, ça va envahir pays. Théorie, c'est plus bon matériel que force de l'autre pays. Eh bien, nest ça a décidé que vous, même en tant que militaire qui est dans la mer qui a information tout, vous dit que vous prenez le démanteler ça. Et vous prenez contrôle l'État pays, le peuple avec vous, et bien vous décidez pour que vous retirez le pays en bas les belles la France. Et bien vous prenez direction la Russie. Et bien, dans le moment où on a parlé là, pour moi même, c'est vraie coopération. Il faut une coopération militaire avec la Russie. Et bien, côté ma parle avant là. Nèg yo a doté l'armée de tout matériel que yo l'armée besoin. Ça veut dire de tout matériel que yo l'armée besoin. Kodi génie, tout bagay net qu'on est matériel sophistiqué. Et yo prend des techniciens russes qui pour rentrer à Burkina Faso, au Niger, au Mali, qui pour venir faire formation pour jeunes yo, OK? Pour permettre yo moyen ou bien manier vrai matériel ça yo. C'est non moins que 3 semaines oui. Formation faite, le gars de jeunes qui étant, comme si m'dadjou, ap manevou, c'est des hélicoptères de combat. Est-ce que vous comprenez? Avion de combat. Manevrer drone, c'est des drones tactiques. Ok? Ça veut dire que c'est des têtes chargées, c'est des vraies coopérations. Et monsieur font bagay tout. Monsieur vise la production nationale. Ah, papa. Monsieur a encouragé le côté que l'État a décidé pour l'investir dans la production nationale. Et tout Burkinabé, la paysannerie Burkinabé, et qui pas alors qui t'est abandonné complètement les oubliés de la République nous capable brûler nous permettre moi dire comme ça nous sommes qui dans province que l'État pas pense ensemble avec vous mais c'est pour la première fois que vous senti que yo en valeur. OK, vous senti que président vient joindre dans champ, président mettez matériel à la disposition, yo il montre comment vous manœuvrer, président et a créé canal pour mettre de l'eau pour yo. Et monsieur dit que ça que faut gain autosuffisance et alimentaire. Il a produit manger la caillou. Son jeune garçon. Il est black, même j'avais non. Il est compatriote africain, même j'avais non. Qui prend des pays là, mais. Pas oublier. L'autre dit Burkina Faso, où ils sont pays, qui ont des gens qui sont passés dans la tête, qui ont un caractère, qui sacrifient vie pour le pays. T'es un général. Et. Thomas Sankara, qui te prend même chez Messawa, monsieur prend là, il est arrivé à assassiner le système dans tes manger. 30 ans, 32 ans après, mes révolutions Burkina Faso, l'a fait concrètement. Ça veut dire que l'idée de révolution, ou qu'a touye des éléments, moun qui pote l'idée, ou qu'a tuye l'idée. Ok? Ou ka tuye moun ka pal, ka pote l'idée. Ou ka tuye moun ka pone l'an. Ou ka tuye moun ka encourage moun rentre la dedans l'an. Mais écoutez bien, ou pa ka tuye l'idée. Révolution Burkinabé. Révolution Burkina Faso. Révolution pour libération Burkina Faso. Révolution pour que nous pour nous retirer Burkina Faso en bas les belles ou bien sous titre la France. Papa haïtien, li fête en 2023. Définitivement. Les fêtes. Et les Nations Unies ont focus sur le pays. Ils ont dit qu'ils n'ont pas aidé les Nations Unies. Ils ont même demandé pour les Nations Unies quitter le pays. Même. Parce que le peuple a devant le commissariat des droits de l'homme. Et dans Burkina Faso, le peuple a demandé, même si j'ai demandé la France pour quitter le pays, ils ont demandé les Nations Unies pour la guerre. Parce que vous croyez que. Depuis que tu as mouru en bas balle terroriste, les Nations Unies juste à bail bilan quand tu es cadavre, mais tu n'as jamais aidé à sortir dans ça. Ça veut dire que ça a passé. Une politique qui fait qui part en faveur. Et mes peuples, ça y est. Ce que nous-mêmes avons subi en Haïti tout. Et c'est très intéressant pour que, naturellement, pour nous faire parler de ça. Mais je dis que, honnêtement, ça n'a vive, je ne j'en dis. Et li pa date jodi a. C'est parce que même bagala pour Burkina Faso.
Et c'est même bagaille pour nous tous. Parce que assassinat, père fondateur nation ça, qui c'est Jean-Jacques Dessalines, ou capable de comprendre ces mêmes luttes que Thomas Sankara a mené ou assassiné. Mais 30 ans après, Thomas Sankara non seulement ou est justice là, la blague sur tout le pays, mais ou est l'idée, monsieur, ou est l'autre jeune capitaine qui prend bataille et ou est capable de parler même parole là. Ok? Capable de parler même parole là. Et qui décide de faire révolution pour tout bon. Et lui dit que politicien rat doka levé mine. Politicien rat doka levé mine. Avec journaliste traditionnel yo, média traditionnel yo, li mande yo bayon brik. Monsieur mande yo bayon brik. Avec qui son va vin faire lobby, gérer l'opinion pour faire macaque paye. Monsieur dit, regardez, suspende ça. Monsieur interdit automatiquement. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire que monsieur besoin sauver pays ya. Et monsieur a sauvé pays ya. C'est pas oublié, son c'est militaire, son coup d'état militaire, son pouvoir militaire. Les audios, même qui c'est journaliste traditionnel, qui a travaillé pour un système depuis 30 l'année, qui n'a pas porté résultat, qui met au peuple dans une situation difficile, même j'avais dans le pays d'Haïti. Le audio campé avec Miko là, suspend fait son affaire. Parce que yo comprennent nous. Mais l'on continue. Militaire n'a pas besoin avant. Militaire pas jamais de parole. Il dit oui, il dit non. Ok? Surtout, lorsqu'il est militaire prend pouvoir à travers un coup d'état. Wesh maman. Ou pas qu'il soit de combat ça. Vous comprenez? Eh bien, ça qui passe. Monsieur prend pouvoir, monsieur fait des bagages concrètement. Monsieur Jean Burkina Faso, qui tête en bas, peut pas qu'à souffrir encore. Eh bien, monsieur dit, lui-même ne compte douleur, compte grand goût sur ta terre, l'a fait des bagages concrètement. Il prend l'État. Eh bien, monsieur, a fait des gros bagages dans le pays Burkina Faso. Moi, je prends ça. C'est parce que nous prenons parler de Dr. Gary Koni et pour toutes les amis. Cap supporter plateforme ça l'émission sorti que nous partager tout côté nous faciliter plus monde capable participer ensemble avec nous on pourrait permettre nous comprendre plus bagage de ça qui passer dans pays d'Haïti même pour nous comprendre mieux m'a fait nous comprendre en réalité et comment l'on dirigeant prend pays en comme si il prend pays en charge il prend responsabilité en charge il prend ce pays en main. Et qui comment doit parler qui m'a des discours qu'il doit guerre nous prenons le temps de pendant quelques minutes en attendant moi rentrer dans dossier docteur Gary Koni état de santé li qui ça le fait qui ça doit faire et dossier qui est pour avec dossier justice et président Jovenel Moïse là côté que eh ben la justice dans l'état Floride dit par la pour camper là a qui choye toujours et m'bra ba nous ça m'gain même comme l'ancien et m'ba ba nous menti. Bagala plus que compliqué pour les assassins de Jovenel Moïse. Et m'a commencé à dire, depuis ces nègres avec femme, qui te gen meyo trempé, l'assassinat président Jovenel Moïse, là, m'a dit nous ça concrètement. Nous m'a commencé à préparer nous. Nous tout apprenons prison. Nous tout net apprenons prison. Nèg qui te dépensé derrière des millions de dollars américains pour te payer. Pour te faire mes sénégalais colombiens rentrer dans le pays. Fin de président, même si nous avons fait toute stratégie nette pour nous casser, pour ne pas quitter trace, je garantis nous. Nous connaissons nous. Et l'opinion publique connaît nous tout. Pas de doute dans ça. L'opinion publique connaît nous. Jean-Capitaine Ibrahim Traoré, nous avons tourné sous dossier assassinat président Jovenel Moïse, en nous tendant ça avec un peu d'intérêt. Très important. Et que nous sommes contents déjà, mais il faut nous comprendre. Ça que me dit, nous avons raté vocation. A Jean-Bertrand, il fait mal, pas oublier, non? 1994, là, il s'est crasé l'armée. Peut-être n'est-ce pas, peut-être fait. Mais pas oublié. Ça veut dire que m'tap gué dans l'armée. M'tap gué dans l'armée. Ah, mon chef, fais respect, non. M'tap pour militaire, mon chef, m'tap pour le comme là, c'est sous capitaine d'appier. Capitaine. Vous comprenez? Est-ce que vous avez crasé l'armée encore? Ou moi, mon soldat, t'as comme moi, t'as dans l'armée. Pour ne pas dire que vous avez crasé l'armée. Non, vous avez crasé vous-même. Ah, si t'as crasé d'abord, vous avez crasé l'armée. Dimanche 9 juin 2024 et m'a dit nous bonjour bonsoir tout le monde dépendamment de qui connaît que l'heure ou attendez nous et ou regardez nous encore une fois c'est un plaisir pour moi pour que ensemble avec nous sur plateforme panoua qui est plateforme maman peba plateforme pays potéen plateforme qui pas pêche plateforme gab dit plateforme qui croit
dans la vérité, plateforme qui croit dans la bataille paysan, plateforme qui croit que c'est avec combat que nous avons mené dans la bataille pour que nous jeunes vérité ou bien justice pour le président Jovenel Moïse Lan, et que nous capable permettre que le pays sorti la situation difficile effectivement qu'il trouve là. Et docteur et Gary Conny, état de santé, nous avons tourné sur lui tout à l'heure, mais peut-être faut qu'on comprenne l'enjeu dans champ libre comme on capable de peuple pour sortir dans la situation difficile. Capitaine Ibrahim Traoré, jeune Burkinabé, actuellement là qui peut-être dans 35 ans, ok, qui prend de ce pays la main et peuple il décide pour que il dit pas besoin d'élection, il pas besoin d'élection. Peuple a décidé à l'unanimité, il dit ok, ben monsieur là encore pour 5 ans. Après 5 ans, si possible, pour demander élection, peuple a dit la prendre élection. Mais le mission mandat 5 ans. Dans moment par là voilà full pouvoir, bravo avec Burkinabé, bravo avec frère africain, bravo avec jeune capitaine Ibrahim Traoré, chapeau bas, respect pour vous, un bon capitaine, un bon général et qui c'est commandant chef l'armée Burkinabé maintenant en de capitaine là. Je souhaiterais donc qu'on puisse rendre grâce à Dieu qui nous a montré ce jour et qui nous a permis de nous retrouver ici. Rendons hommage à nos FDS et nos vaillants VDP qui se battent au front, et c'est grâce à eux que nous pouvons nous retrouver ici pour communier. Rendons aussi hommage à vous, ceux-là qu'on a baptisés les Waïa, qui veillent jour et nuit. Vous qui veillez sur cette transition, vous qui veillez sur l'itinéraire que nous avons tracé, merci beaucoup à vous. Remercions ici donc nos autorités coutumières et religieuses qui ne ménagent aucun effort pour nous accompagner pour la mobilisation des jeunes à être engagés donc au sein des VDP qui aident les FDS sur le terrain. Merci beaucoup à tous d'être là. Nous ne pouvons pas faire une révolution sans communiquer. Justement. Certains diront qu'il ne faut pas trop parler, mais lorsqu'on ne parle pas, c'est la manipulation qui prend le terrain. Exactement. Mais papa, moi, ça qu'elle me dit, non. Là, nous, Guy Philippe a parlé pour un respect. Oui, au révolutionnaire n'est pas qu'à parler. S'il pas parler, qu'est-ce qu'il a parlé? S'il pas parler, pendant que vous-même, dans les médias traditionnels, utilisez le micro là, avec radio là pour faire des détracteurs, assassins criminels, micro pour faire toute qualité et pour faire toute qualité de déclaration pour au moins et manipuler le peuple plus davantage. Mais je te dis comment Guy Philippe, il doit parler. Et moi, je te dis un peu le monde qui compare capitaine, alors comment Guy Philippe avec jeune capitaine Ibrahim Traoré, Guy Philippe pas dans la police, Guy Philippe pas dans l'armée. Guy Philippe a gen l'État nan men. Si Guy Philippe gen l'État, gen organe répressif l'État, gen ça nous capable les forces de la force de l'ordre l'État en plein mel, là comme ça bataille est fini et pas tap gen trop bagaille. Guy Philippe a géré ça. Mais pas oublier et les différents complètement et par rapport avec Guy Philippe et capitaine Ibrahim Traoré. Capitaine Ibrahim Traoré même avantage gen li gen peuple avec hein, peuple souverain. Pas camper presque l'unanimité et peuple a une conviction il est prêt pour mourir pour ça et en plus de ça monsieur son militaire qui la met lavel la met solide avec monsieur dis-moi qui ça monsieur besoin faire dans pays là pour penser qu'il va faire qu'est-ce qui a empêché le qu'est-ce qui a empêché le ou pas capable bloquer le juge qui qu'on a protégé volé monsieur tout doux attention nous sommes des militaires et nous gain oui nous gain non. OK, la patrie ou la mort nous vaincrons. Jeune capitaine Ibrahim Traoré. Comprenez quelque chose. Le père de la révolution communiquait beaucoup. Je parle ici de Thomas Sankara. Thomas Sankara. Dans l'un de ses propos, il vous disait ceci: l'impérialisme est un mauvais élève. Lorsqu'il est chassé de la classe, il revient toujours. Et je me souviens qu'à son adresse, à ses compères donc de la CEDEAO, il disait que pour rompre
Le cordon ombilical qui nous lie à l'impérialisme n'allait pas chercher une maïticienne d'État avec des doigts futés et un ciseau bien aiguisé pour rompre ce cordon. Mais plutôt, il vous faudra un bûcheron robuste avec une hache bien aiguisée pour donner un coup sec et rompre le cordon. Exactement. Quand on, t'as bien, moi-même dis-nous ça très bien. M'aller chercher et vidéo ça. C'est sous des pages et youtubeurs africains et puis des jeunes qui n'ont Facebook tout et africains. Y aurait les monsieur réincarnation de Thomas Sankara. Jeune capitaine Ibrahim Traoré fait une déclaration devant alors non 55e assemblée générale Rousseau Africa. Monsieur devant président Poutine, monsieur fait une déclaration dans l'assemblée à côté qui était près de 50 ou 55 chefs d'État africains. Assemblée en fini. Il y a des rencontres qui étaient prévues à faire, mais Vladimir Poutine décide spécialement pour le tête à tête avec jeune capitaine ça qui c'est Ibrahim Traoré. Dans tête à tête là, monsieur sorti avec une enveloppe. Elle me dit nous, et par là, j'en cache non, mais sauf que ça qui signe, c'est des milliards de dollars américains, coopération. Matériel pour l'armée et de l'autre bagaille dans le secteur agricole. Et si peut-être n'est qu'à joindre déclaration, on peut mettre tout à ça toujours mal cherché. Assemblée générale, ça qui était fait dans le pays là aussi, pour moi, si je joue intervention jeune capitaine Ibrahim Traoré. Bon, chercher pour nous, pendant qu'il attendait capitaine là. Avec un peu d'intérêt, puis partager pour nous. Et en attendant, nous rentrer dans le dossier, état de santé. Et PM Garigoni n'a pas rentré n'a venir parce que il y a pile et ti dossier ti tête qui a venir nous t'assembler PM nan sourd pour quitter l'hôpital là t'assembler et sauf que il était pour une confirmation hein, avec zami nous et qui a alors et qui ses yeux nous avec zoe nous en bas mais qui des travé dossier de très près et cap ba nous bon gens et information ou du moins évolution dans quatre dossiers ça en avancé attendez et capitaine Ibrahim Traoré et puis par la suite pour aller dans intervention et alors dans sa gain pour avec dossier pays d'Haïti mais nous va chercher discours ça qui était fait sur tribune et nation alors capable dit et dans pays là aussi dans pays là aussi on dit comme ça entendez ça. Cela veut tout dire. Je m'en vais vous expliquer un peu comment est-ce que l'impérialisme se comporte. Après l'assassinat du père de la Révolution, justement, le régime qu'avait voulu l'impérialisme s'est installé. Dans les années 90, vous vous souvenez tous d'un programme qui nous a été imposé, le programme d'ajustement structurel. C'était qu'un plan. Je vous explique. En mettant en place ce programme dans nos contrées, vous avez remarqué au fil des deux décennies qui ont suivi, toutes nos usines qui étaient en place ont été privatisées. Notre économie a été déstructurée. Ils ont mis en place un système néocolonial. Un système de capitalisme sauvage qui ne profite qu'aux dirigeants et leurs amis, un cercle restreint. Est-ce que nous comprenons ce que ça veut dire? C'est la réalité nous-mêmes que nous avons décrit là. René Préval, font seul avec les oligarques corrompus, nous avons pris toute institution de l'État, toute ça l'État de gagné, nous avons privatisé. Nous avons avec des nègres qui sont dans le secteur privé des affaires. Pour une vente qui est, même peuple ça. Pour venir vendre qui est, même l'État ça. Qui est-ce qu'on a comme client? L'État. Personne n'a pas posé question.
Mais qui est-ce qui est passé par question dans le Parlement? Des sénateurs, des députés, des sénateurs. C'est même nèg ça qui l'a depuis 30 ans. Je veux dire, mais Haïti. Tout le monde qui a fait deal ça, c'est ma véro, nèg multimillionnaire et même milliardaire. Nèg détruit tout au pays pour l'argent. Mais c'est ça que monsieur, lui-même, il était ouais, dans le pays de Burkina Faso, monsieur, prend de ce pays-là en 2022. Là, maintenant, nous sommes en 2024. C'est wash maman qui a baillé à Burkina Faso. C'est contre le pays, il n'y a pas la voix. C'est qu'on l'armée définitivement qui dote tête li de matériel solide. C'est que matériel solide pour l'armée. Eh bien, Mbaba nous menti. Et monsieur, il y a deux pays encore qui collent avec elle, qui mettent tête ensemble. C'est Ouachman Makabay. À savoir Mali et puis Niger. En avance. Du côté des forces, ils ont tout fait pour déstructurer nos armées. Ils ont dit de baisser le budget des armées, de ne plus les équiper, de ne plus s'entraîner. Ce qui a été fait dans la sous-région. Nos armées ont été réduites en néant. Ils préparaient la chose. Attendez, oui. Impérialistes, avec l'équipe qui suit le terrain, ils ont affaibli l'armée. Je m'en pour pas bailler matériel avec l'armée. Pas équiper l'armée. Négliger l'armée considérablement. Pendant qu'il a négligé l'armée, et puis gang nan terroriste la monté dans le pays. La monté. On a dit ça que fait. Aristide crase l'armée en 1994, il mette l'armée rouge. Il crase l'armée d'Haïti, il mette l'armée rouge, et puis il mette l'armée d'Haïti. Alors, il mette l'armée de manchette, et puis par la suite, il mette la police. La police prend naissance avec le police là. Non, mais mané, c'est des frères. L'armée rouge, l'armée de manchette et puis la police. Mais vous crasez l'armée d'Haïti. Depuis là, c'est route ça qu'on prend. Et route ça, mais côté le mené nous en Haïti. Jean-Bertrand Aristide a vivre toujours. Pas de personne qui j'en pose la question. Jeune capitaine Ibrahim Traoré. Maintenant, mon jeune discours, pendant que le capitaine est sur l'écran, permettez-moi et faire nous tendre des déclarations que monsieur a fait. Non, et je suis capable de dire. Et dans le pays la Russie, devant le président Vladimir Poutine, il s'est fait trembler le panel là. Il s'est fait Vladimir Poutine, demander monsieur pour que vous fassiez monsieur Bali dans un espace privé pour parler à deux. Et vous avez parlé qui choye. Entendez, qui déclaration que le capitaine Ibrahim Traoré qui n'a pas gardé sur l'écran, qui fait dans le pays la Russie. Attendez ça. Pardon. Quelques questions donc de ma génération oblige les droits d'aînés, je me dois de m'excuser. Très bien. Camarade, j'ai quelques questions donc de ma génération, mille et une questions qu'on se pose. Mais nous n'avons pas de réponse. Et il se trouve qu'ici, nous pouvons laver donc notre linge sale parce qu'on se sent en famille. On se sent en famille en ce sens que la Russie est une famille aussi pour l'Afrique. C'est une famille parce que nous avons la même histoire. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde. Qu'il soit dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films, on tend donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Nous sommes ensemble parce que actuellement nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples, de ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion donc de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer, c'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre.
l'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il qu'on est chef d'État traverse donc le monde à mendier? À mendier. À demander tout côté. Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Très bien. Ma génération me charge aussi de dire que, par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pitance quotidienne. Très bien. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui, nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos devanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Justement. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter. De lutter contre l'île terroriste en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillantes populations se sont engagés à prendre les armes face au terrorisme. Ceux que nous avons affectueusement appelés les VDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milices et de tout type. C'est décevant. Parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs droits élémentaires, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuple, nous décidons de nous défendre, on nous traite de milices. Mais là n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, pas la veille, nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quel droit de l'homme parle-t-on? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé donc l'envoi des céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous lui disons merci pour cela. Mais aussi, c'est un message passé à nos chefs d'État africains. Parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. Je ne serai pas peut-être long, le temps imparti est très court. Nous sommes obligés de nous arrêter à un moment donné. Mais je voudrais terminer en disant que nous devons donc rendre hommage à nos peuples qui se battent. Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci, camarades. Voilà. Vous attendez, jeune capitaine Ibrahim Traoré, c'est lui-même que vous attendez là, dans ti audio ça. Devant président Vladimir Poutine, bat président Poutine, bat bravo, la contentement parce que monsieur fait une déclaration tête chargée et monsieur clair devant. Et les chefs d'État restent avec Africains. Yo. Et qui mettent au service de Colomb-Blanc. Ça veut dire la France surtout. Et cap multimillionnaire, mais peuple yon en souffrance en gagou extrême. Parce que yon ont même stratégie politique. Politicien, ça yon remè ou les peuples ap mande yo. Vin masse devant radio, maintenant radio mande moun aide yo. Mais yon pas créé condition pour peuple. Li même ni capable voler des propres ailes. Et bien c'est ça qui fait la différence entre jeune capitaine Ibrahim Traoré. Réincarnation de Thomas Sankara avec les chefs d'État restés avec Africains Sayo. Et bien, il fait que, monsieur, il y a des gros menaces sous l'eau, il n'a pas affronté parce que c'est militaire, il y a la mêle derrière, il y a des âmes, il prêt pour affronter quel que soit le monde pour combattre l'IA. Cap combattre l'IA, cap combattre le peuple l'IA. Eh bien, déclaration ça, on peut être chargé.
dans le continent africain. Et tout chef d'État reste avec eux, estimé que monsieur prend contrôle pays là dans mayo. Et c'est toujours même bagarre là pour Niger, Niger son gros pays, OK? Et général Tchiani qui font coup d'état qui prend pouvoir et même baba nous menti, c'est de décisions drastiques qu'a prend et paysan sous route vers une stabilité généralisée parce que où est tout et rayou a mettre pour que nèg capable mettre pays sous rail pour redémarrer pays. Ça veut dire que c'est des africains qui responsables qui t'en qui ouais pays pas qu'à souffrir encore qui peuple pas qu'à souffrir encore et décide de prendre de ce pays mais malgré c'est dans cadre un coup d'état mais n'importe niveau qui Jean Kelier depuis capable porter résultat pas de problème parce que nous même ces résultats n'a cherché. OK, depuis coup d'état capable ba nous stabilité ces résultats n'a cherché. Nous besoin de solution définitive. Il a fait coup d'état, il pas assassiné président. Alors ça m'a banon comme rappel. Il pas assassiné président. Il prend pouvoir mais il pas assassiné président. Oui, il y a des soldats qui tombent parce que dans échange de tir et pas ta pagé moun est victime. Il y a des victimes. Il y a des victimes bien sûr, mais sauf que il pas connaît quantité là. Il pas qu'il connaît. Militaire vidéo à terre. Pardon. Militaire vidéo à terre, il pas quitter espace non, depuis jeune pour la pral avoir oui. Et mais c'est jeune capitaine Ibrahim Traoré qui sur écran là qui parle là. Entendez, c'est parti ça et puis à la suite n'a tourné et pour dossier docteur Koné là. Que fait nous connaît qui t'a doué quitter l'hôpital là jeudi dimanche là même. Pendant ce temps, les grands pays comme le Niger, le Mali ont connu une résurgence de ce qu'ils ont appelé des rébellions. Des séparatistes venus de nulle part ont tenté de diviser ces pays. Ils n'ont pas réussi. Mais l'aboutissement de leur plan était qu'à partir des années 2010, c'est-à-dire 20 ans plus tard, que le terrorisme s'invite dans nos terroirs. Effectivement, on l'a vu naître 20 ans plus tard. Des individus ont été choisis et on leur disait juste: allez-y les combattre, leurs armées sont déstructurées, nous avons travaillé à ce que cela arrive. Ils ne pourront jamais vous arrêter et vous allez les imposer ce que nous voulons. Ces individus ont recruté de jeunes innocents, ignorants, dans nos différentes campagnes, à qui ils injectent la drogue et les amènent à tuer leurs compatriotes. Et le mal est né. Comment est-ce que ces individus ont été entretenus? N'oubliez pas, ici au Burkina Faso, on hébergeait des chefs terroristes. Ça a été bien planifié. Et comment y arriver? Lorsque ces terroristes vont se lancer, il y avait quelqu'un qui pourrait peut-être intervenir à la faveur de nos États. Je nomme ici le feu général Muammar Kadhafi. Il fallait l'éliminer. Et un beau jour, ils sont tombés sur lui. Ils l'ont éliminé. Ils ont encore eu dans ce plan l'ingénieuse idée de mettre toutes les sources d'armement et de munitions à la disposition de ces terroristes qui devaient donc déstructurer notre sous-région. Le plan était parfait. Et dès lors, ils se sont mis en ordre de bataille. Ils ont commencé à descendre vers le sud. Nous nous souvenons encore, lorsque le régime en place à Bamako en son temps a fait appel donc à des forces étrangères. Il ne fallait pas plus que quelques heures qu'ils se déploient. C'était bien préparé. Ils se sont déployés et ils ont fait semblant d'arrêter le terrorisme. Et immédiatement, nous avons vu l'installation de plusieurs forces étrangères au Mali pendant 10 années. Pendant ces 10 années où le terrorisme était contenu au nord, s'est invité au sud et le Burkina Faso a été infesté à partir de 2015. Allez, oui. C'est même cas de figure là, c'est même bagaille là. Yo font façon, yo affaibli force de l'ordre et puis
nèg qui gagne conseil des nèg qui dans secteur privé des affaires qui soit dans business dans pays c'est eux qui gagne contrôle port aéroport ça me rentrer pas là dans pays là joine des petits jeunes garçons qui mal comprennent yo les yo bon franchement des ignorants dans quartier populaire yo mettez gros âme dans mais yo et ben yo prend pays en otage et puis par la suite pour faire appel avec une force multinationale eh ben dans pays d'Haïti c'est exactement ça que jeune capitaine Ibrahim Traoré a expliqué là qui fait dans pays que nous même n'a vivre en Haïti chaque jour plus nèg yo pour pays yo crasé yo démolir yo tuer président et puis par la suite pour yo gagne stical et paix d'esprit paioa stabilité paioa que yo besoin pendant on durée parce que yo même pas besoin stabilité en permanence yo relé yo force multinationale vini après ça yo même encore yo va faire même peuple ça relé à bas que son bagaille force multinationale pour voir l'aller là fin voir l'aller yo va faire en 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans yo vendre zam 5 ans pour tout le monde et puis après ça yo même encore pas besoin on groupe blanc vini pour trouer bandi qui yo te vendre zam nan pour capable toujours exister yo même pour toujours pour y pays a fait nous comprendre réalité que là c'est ça que même toujours éviter nous tendez et intervention jeune capitaine Ibrahim Traoré parce que il y a pile bagaille que monsieur dit c'est exactement ça n'a vivre dans pays d'Haïti et son black son frère africain en dedans d'elle parce que par en pile tout était bien planifié et bien pensé. Je me souviens encore quand nous étions à Ber au nord de Tombouctou. On voyait donc des forces spéciales de ces pays-là venir nous dépasser, aller plus en profondeur. Et à leur retour, ils étaient tout rouges. Ils ont des petites machines de foreuse et bien d'autres équipements de géologie que nous contemplons. On se demandait où est-ce qu'ils gagnaient cette terre rouge, parce qu'en patrouillant autour de Ber, nous n'avons pas de terre rouge. Peut-être qu'ils creusaient. Ils sondaient, nous ne savons pas de quoi il s'agit. Le ciel malien n'appartenait plus aux Maliens. Tout était bien pensé. Lorsque des gens qui combattaient sur le terrain ont fait aussi le constat, ont décidé à un moment donné de prendre les responsabilités et les voilà sortis de nulle part. On nous traite de putschistes. Nous ne sommes pas français, nous ne comprenons pas ce que ça veut dire. Et les valets locaux, qui sûrement ne comprennent même pas le sens profond du mot, nous appellent aussi putschistes. Très bien, on se l'approprie. Au fil de ces années, pour ce qui concerne le Burkina Faso, vous avez dû remarquer, tous les corps ont été déstructurés. Plus d'entraînement, plus rien pour l'armée. Ils ont imposé dans tous nos états-majors, toutes nos écoles et toutes nos structures stratégiques, ce qu'ils ont appelé des conseils militaires. Lorsque nous nous sommes révoltés le 30 septembre 2022, la première des choses était de chercher à savoir qui sont ces conseillers militaires et où ils étaient. Nous avons donc pu identifier que le mal est profond. Et la première des choses était de leur demander de quitter notre armée. Ils sont partis. Et ce que je vous disais il n'y a pas longtemps, vous ne pouvez pas espérer retrouver votre objet perdu en faisant appel à celui qui vous l'a volé de venir vous aider à le chercher. Voilà. Comment on peut comprendre ces mêmes politiciens criminels, assassins, gangs sales qui mettaient Haïti dans ça? Et puis c'est eux-mêmes encore qui font appel avec force pour venir aider eux, comme si nous avons dit que dans ça. Même les gars qui finalement osent, comme si pour la première fois, obligé à admettre que c'est eux-mêmes dans bataille dans ça nous capable les concurrence déloyale là dans bataille pour ça faire business l'argent commerce yo ba payer toutes âmes ça yo met payer ça c'est même eux-mêmes encore cap écrit président William Ruto pour dire comme ça que vina force la rapide pour nous vina vel rapide pour nous pas attendre encore c'est yo ba âmes dans tout pays là c'est yo prend port l'état yo privatiser yo pour rentrer âmes avec balle pour vendre dans pays
Fais eux même encore qui besoin force vinn touyer gang pour eux même qui a toujours existé. Faut yo ta morito. C'est un pays qui a fait. Capitaine en parler. Il fallait dès lors décider, prendre des décisions courageuses. Ce que nous avons décidé de faire, ça n'a pas été sans conséquence. Parce que lorsque nous avons déjà demandé aux conseillers de partir, nous avons senti des manifestations. On nous a fait comprendre qu'on ne pourra pas s'en sortir sans eux. Mm-hmm. Et à chaque fois qu'ils nous le disaient, ça s'est traduit par des attaques d'envergure sur le terrain. Nous avons bien reçu le message. Lorsqu'à l'orée donc de l'année 2023, nous avons décidé de dire donc aux forces étrangères présentes ici de partir parce que nous voulons lutter en Burkinabé. Très bien. Ils ne l'ont pas sûrement apprécié. Mais pourquoi venir mourir sur nos terres pour nous? Nous préférons combattre nous-mêmes. Nous avons demandé à ce qu'ils retournent chez eux. Malheureusement, je vous le dis ici aujourd'hui, comme j'aime le dire, la colonisation est rentrée. Il y a des esclaves de salon qui n'ont toujours pas compris. Mmh. En son temps, des officiers militaires nous ont écrit et nous ont approchés pour nous dire que c'était une très mauvaise décision et que nous n'allons pas tenir 2 mois. Des fiches ont été écrites. On nous a transmis ces fiches pour nous faire une analyse stratégique de leurs pensées. Nous avons dit, c'est soit nous sommes souverains ou nous restons esclaves à jamais. Effectivement, lorsque le dernier soldat a quitté le Burkina Faso, nous avons compris de quoi est-ce qu'il s'agissait. Les attaques se sont enchaînées immédiatement. Deou, Tinakoff, Partiaga, ainsi de suite. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que le peuple du Burkina Faso avait compris notre message et s'était engagé sur la même voie que nous. Bataille. Nous nous sommes réorganisés rapidement et subitement, nous avons constaté que toutes les cellules dormantes terroristes se sont réveillées au Burkina Faso. On a réorganisé l'armée au plus vite, à une vitesse inégalée. Mm-hmm. Nous avons créé plusieurs unités et même si plusieurs autres sont à venir, nous les avons équipées et aujourd'hui, cet équipement se poursuit parce que dans les jours à venir, les mois à venir, ce que vous allez voir venir au Burkina Faso bien. Doit faire de notre armée une puissance à craindre. Est-ce que nous comprenons la qualité bravo, la contentement qui a battu des peuples dans le Bagouaouna? Nous n'allons pas lésiner sur les moyens. Nous avons compris que le combat qui est engagé contre l'impérialisme sera dur, très dur. Mais seuls les durs vont passer et les Burkinabés sont des durs. Et nous allons passer. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous dire que l'impérialisme a tout son temps. Lorsqu'il veut déstabiliser, il regarde dans l'immédiat. Si ce n'est pas possible, il pose les jalons pour le faire dans 10 ans, dans 20 ans, 30 ans. Très bien, c'est clair. Parce que ça qui passé. Mais si mettons en situation en place, yo ouais pour yo détruire Haïti, yo commence en côté. Yo pose jalon hein, avec arrivé Jean-Bertrand Aristide. Yo établi le net avec décision que yo fait Aristide pour craser la mer en 1994. Depuis les jalon a pas avancé, mais même qui côté le mener nous en 2024. Tout nèg yo multimillionnaire paysan a souffri, peuple en souffrance, tout le monde pauvre, tout le monde qui est un petit business décapitalisé, et puis c'est groupe volé, criminel assassin seulement gagne comme son système qui établi. Et c'est ça que monsieur combat dans le pays là, qui n'est pas d'accord, mais monsieur décide de mettre des armes sur le monde qui n'est pas d'accord. Mais il n'a aucun intérêt à ce que nous soyons indépendants.
Aujourd'hui, tout ce qu'ils souhaitent pour le Burkina Faso, c'est le chaos. Parce qu'ils espèrent faire venir ces forces étrangères ici et espérer récupérer la situation dans 10 ans, même dans 20 ans. Mais nous ne les laisserons jamais parvenir à cet objectif. Voilà pourquoi nous avons mis en garde pendant plus d'un an les valets locaux, les esclaves de salon, pour qu'ils ne trahissent pas leur patrie au profit de l'impérialisme. Certains ont compris, se sont rangés. D'autres n'ont pas compris, peut-être se croyant plus malins. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus de sentiments sur ce volet. Quiconque va trahir sa patrie au profit de l'impérialisme, il sera traité comme tel. Revenons à notre fameuse CEDEAO. Depuis que nous avons décidé de quitter la CEDEAO, les esclaves de salon ont été actionnés partout. Ils veulent faire peur au peuple. Ils veulent faire peur à tout le monde. Dieu merci. Dans un passé récent, il n'y avait qu'une poignée de gens qui avaient droit à la parole. Sur les plateaux télé, c'est ce qu'ils se disaient, qui était donc pris pour évangile. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, qui ont bien sûr des avantages et des inconvénients, tout le monde a droit à la parole. Et je pense que les Wayiya sont les premiers à confirmer cela. Chacun peut faire son analyse sur une situation. On peut certes se tromper, mais lorsqu'on vient vers nous pour comprendre, nous sommes bien ouverts pour vous expliquer les démarches. Ici, nous allons vous expliquer pourquoi nous avons quitté cette CEDEAO et vers où nous partons. Souvenez-vous que c'est en 1975 que ça a été créé. Et ça a été créé pour la majorité des chefs d'État putschistes, comme ils aiment le dire. C'était des militaires qui ont pris le pouvoir et qui ont pris les responsabilités pour créer la CEDEAO pour qu'il y ait un véritable essor économique des peuples à l'intérieur donc, de cet espace. Plus tard, les soi-disant démocrates se sont invités donc à la tête de nos États. Ils ont vidé complètement la communauté de son fondement. Lorsque le 26 juillet, le Niger a décidé de prendre son destin en main, nous étions surpris de voir la CEDEAO apparaître de je ne sais où avec une force en attente. Où était cette force? Lorsque des milliers et des milliers de Nigériens étaient tués par les terroristes. Où était cette force? Où était cette force lorsque des milliers de Maliens, de Burkinabés mouraient sous les balles des terroristes? Où était cette force? Ils ont dit que par la force, ils allaient déloger donc les vaillants fils du Niger qui ont pris le destin en main du pays. Croyez-vous que ce sont des femmelettes qui sont au Niger? Il y a des combattants là-bas. L'armée nigérienne est guerrière. Ils combattent depuis des années. Ce n'est pas une armée de défilé ou une armée de maintien de paix. Et les armées de l'AES ont décidé de s'unir. Nous attendons cette force en attente. Il faut que ces soi-disant démocrates le comprennent. Lorsque des milliers de Nigériens sont morts sur leur lit d'hôpital par manque d'électricité ou par manque de médicaments,
c'est du crime. Ils sont responsables de ces sanctions, ils sont responsables de ces morts. La même chose se passe au Mali. Avec le Burkina, nous avons des sanctions indirectes. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Lorsqu'ils prennent leurs consignes de l'autre côté, ils viennent, ils font tout pour l'appliquer. C'est honteux. Certains ont décidé de ne pas fournir l'électricité à nos pays. Ce n'est pas gratuit, nous payons. Et ça contribue à leur économie. Système. Ils ont essayé de faire souffrir le Mali. Et bien sûr, en faisant fi de tous les textes et de ne plus donner l'électricité au Mali, espérant que la population se révolte. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Lorsque ça a duré, certains étaient obligés de faire payer leur propre peuple en augmentant le coût de l'électricité. Ça va encore augmenter. Cela nous donne plusieurs leçons. Plusieurs leçons en ce sens que l'indépendance que nous prenons, la souveraineté que nous prenons, nous devons tout faire pour qu'elle soit. Ils nous ont donné de très belles leçons et nous avons très bien compris. Exactement. Certains ont fermé leurs ports, ce qui d'ailleurs va à l'encontre de tous les textes internationaux parce qu'on ne peut pas fermer les ports à un pays sans littoral. Ils l'ont fait, ils ont violé les textes. La communauté internationale n'a pipé mot. Personne n'a parlé dans la CEDEAO. Mais dans les ports, nous ne faisons pas transiter nos marchandises gratuitement. Nous payons. Et ceux-là qui le font récoltent aujourd'hui les pots cassés. Et je pense que c'est une leçon pour eux aussi qu'il ne faut toujours pas appliquer les consignes de leur maître. Il faut qu'ils le comprennent pour toujours. La CEDEAO n'a jamais fait un communiqué pour féliciter une victoire de nos armées. À peine, elle condamne du bout des lèvres et très rarement lorsqu'il y a des massacres. Où est cette CEDEAO des peuples? Bref, nous ne pouvons pas citer tout le mal qui a été fait à nos peuples, mais nous avons décidé en toute âme et conscience de nous retirer et de nous concentrer sur notre organisation commune qu'est l'AES. Retenez que il n'y a pas de peur parce que en prospectant et en nous mettant au travail, nous avons remarqué une chose. Dernièrement, certains ont décidé d'interdire l'exportation de certains produits alimentaires vers le Burkina Faso. Très bien. Ils ont donné une durée. Nous ferons en sorte que, à la fin de cette durée, nous interdirons l'entrée de ces produits sur notre territoire. Ça, c'est le dirigeant qui a un caractère. Et ma bon, les gens qui étaient capables de faire ça, c'est le Guy Philippe. Les gens qui étaient capables de faire ça, c'est le Guy Philippe. Et je dis, justement, pour commander Guy Philippe, je ne sais pas comment on est, mais on est obligé de faire l'autre bagaille. Parce que peuple là, route qu'on a pris avec Gary Koné là, si c'est nèg qui a fait mission bagarre, vous avez besoin qu'on ait mission pour le vivre santé, non? Si c'est nèg qui a fait mission bagarre, vous avez besoin qu'on ait mission pour le vivre santé. Et puis c'est nèg ça, yo professionnel en détruit monde. Et c'est jeune yo pas jeune pour te faire Jovenel Moïse, on bagaille qui cause royal tout Jovenel Moïse la cali. On pas dit c'est yo qui a fait, mais si c'est à yo, garantis que Gary Koné prend bien parce que pas jamais vivre en paix. Et vous n'avez pas attaqué, vous avez mis à bon attaque déjà.
ou prétend prendre la dedans ou mettre connait que ça a été besoin dans la lande déjà ou pas jamais vivre santé si nèg ça ou pas d'accord avec yo yo même c'est touyer pour tout yo et ou gen media pa yo ka pédir tout yo ka fait toute analyse pour faire tout pour comprendre que route qu'on t'a fait ou t'ai la mort là dedans et que yo doit accepter la mort et comme ça média travaille dans pays d'Haïti yo travaille ou même comme peuple pour montrer que ce pas qui normal pour tout yo parce que ou t'a pas un gros dossier les grands dossiers de la nation qui est-ce que ça ou pas connaît des oligarques corrompus des petits volets mais qui décide c'est yo que l'état dans l'état yo fait ça ou vle Jean ou vle leur ou pipito et ben nous t'attend des jeunes capitaines Ibrahim Traoré et c'était extrêmement important pour que nous t'étendait et capitaine là on nous capte là c'est toujours pas étant pile non on nous prend tirer ce qui non pour nous traverser dans partie qui et dans deuxième partie émission entendez ça monsieur que nous sous soif tout bambanol nous sommes capables. Nous sommes capables et nous sommes très bien capables. Nous avons fait beaucoup d'expériences cette année et je peux vous assurer que sur le volet alimentaire, le Burkina peut être autosuffisant. Et nous avons de braves paysans. Nous mettrons tout en œuvre pour que nos paysans puissent labourer leurs terres et cultiver dignement. Et je mets au défi quiconque doute de cela que si nous décidons aujourd'hui au Burkina Faso d'être dans 3 ans ou 5 ans premier exportateur de cacao, nous le serons. Parce que nous pouvons. Sur l'industrialisation, plusieurs projets sont en cours pour 2024. Nous n'allons pas les citer ici, mais certains serments, nous allons tout faire pour que ces projets voient le jour en 2024. Lorsque vous prenez l'économie, certains, quand on les écoute, ça fait pitié. Ils n'ont même pas le courage de faire comprendre au peuple qu'il y a moins de 5% d'échanges économiques entre les États de la CEDEAO. Parce que tout ce que nous faisons venir vient de l'espace hors de la CEDEAO, nos importations pour la majorité. Et tout ce que nous exportons part hors de la CEDEAO. La malhonnêteté intellectuelle de certains font qu'ils ne peuvent pas le dire, parce qu'ils sont des esclaves de salon. Ils ne peuvent pas vous dire ça pour que vous soyez confiants. Mais je vous invite à rester confiants, sereins, imperturbables, parce que nous pouvons. Nous pouvons avoir cette indépendance tant sur le plan alimentaire, tant sur le plan industriel. C'est possible et nous sommes lancés sur ce chemin. Très bien. Donc, les propos qui tendent à vous faire peur, qui tendent à semer la panique, il faut vous en départir. On se mettra au travail. Et nous allons y arriver. Revenons donc à un aspect général dans l'Afrique. Thomas Sankara disait que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait les illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Et je m'en vais vous dire que si pour se libérer, un esclave se fait des illusions sur la providence d'une croyance que son maître lui a imposée pour le maintenir dans les ténèbres, il se fout le doigt dans l'œil. Il restera à jamais aveugle dans les ténèbres et ne verra jamais le jour. Dieu lui-même a dit, Dieu n'aime pas le paresseux. Dieu n'aime pas l'ignorant. Dieu n'aime pas celui qui ne se bat pas. Car dit-on,
aide-toi et le ciel t'aidera. Et je ne passerai pas sous silence une partie du slogan donc des pionniers qui vivent aujourd'hui parmi nous, oser lutter, savoir vaincre. Nous avons osé lutter dans l'AES et nous saurons vaincre. N'ayez aucune crainte. Très bien. La veille citoyenne que vous avez engagée, c'est un message à toute l'Afrique. Très bien. Et le Burkina Faso est solidaire et soutient tous les peuples d'Afrique qui souffrent le martyre. Très bien. Mais nous voulons aussi dire qu'il est temps que les Africains arrêtent de s'apitoyer sur leur sort, de se morfondre, de se lamenter. Il faut lutter. Ça ne viendra pas du ciel tout seul. Il faut lutter d'abord et Dieu va vous aider. Et le Burkina Faso est prêt à aider tous les peuples qui vont mener cette lutte. Dites-leur à tous ces peuples qui se battent, il est temps qu'ils disent la vérité à leurs dirigeants. Au Burkina Faso, lorsqu'il s'est agi pour nous de contribuer donc pour que le FDS soit équipé, les députés n'ont plus de salaire aujourd'hui. Ils n'ont que des indemnités de session. Les salaires des ministres ont été diminués au maximum et le peuple contribue. Vous ne pouvez pas lutter et vouloir que les dirigeants soient dans un luxe insultant. Les peuples doivent se réveiller et exiger cela de leurs dirigeants. Et pour terminer, je lance donc un appel à tous les peuples de l'AES, à travers vous, pour qu'ils restent unis et solidaires. Toute souffrance a une fin. La lutte que nous avons engagée est dure. Mais il faut rester la tête sur les épaules. Parce que l'arme fatale de l'impérialisme reste la manipulation à travers la communication. Très bien. Sachez reconnaître les valets locaux. Sachez reconnaître les esclaves de salon. Sachez reconnaître tout cela qu'on soudoie pour venir vous vendre de fausses informations. Pour vous-même, restez serein et ne vous divisez pas. Parce que l'impérialisme a 1000 manèges dans son sac. Vous devez être vigilant. Vigilant et très vigilant. Merci à vous les VDP donc, des différentes villes qui veillez jour et nuit pour que notre patrie reste debout. Et donc rendez hommage tous les jours aux FDS et aux VDP qui se battent au front. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à tous ceux qui se sont déplacés ici pour que nous puissions nous entretenir. Merci à ceux qui sont dehors, qui n'ont pas pu accéder. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l'État et commandant-chef de l'armée Burkina Faso, qui t'a parlé là, jeune garçon, et qui prend tête pays à 33 ans et puis jodi là 2024 qui gagne des gros bagages que l'a fait dans pays hein, côté que monsieur presque jeune tout peuple li accompagné bon capable dire majorité a accompagné monsieur il tellement ouais que monsieur a fond route qui clair avec pays hein, il ouais avenir yo et puis il a décidé au dire même yo pas qu'on a élection peuple a décidé dit que yo ba mission mandat de 5 ans sans que yo parle gaspiller comme dans élection. Peuple a dit OK ben monsieur là pour 5 ans. Après 5 ans peuple a dit sinon fin mandat ou ba monsieur hein, yo que yo mérite une élection, et ben yo peut-être capable faire élection. Mais yo même, yo met monsieur là en attendant pour ouais, est-ce que monsieur ka kembe dans niveau là pour kembe pendant qu'il a supporté le. Jeune capitaine Ibrahim Traoré pour mettre peuple là, il pas rien que l'a fait pour lui. Mais l'a fait pour pays là, lui même tout. L'a considéré qu'il pral un bénéficiaire tout, l'a vivre dans pays il y a pays il gain stabilité gain autosuffisance alimentaire gain toute qualité bagaille pour monde fonctionner dans pays pour tout peuple burkinabé a fonctionner normalement sans que yo pas courir quitter pays pour aller mourir dans rager pour sauver pour aller en Europe pour aller émerger en Europe c'est ça mais naturellement nous t'attend des jeunes capitaine Ibrahim Traoré et tout pas capable passer leader Pamna garçon quand son Pamna président Pamna qui n'a assassiné en dans pays
président Jovenel Moïse. Qui vit environ 12 millions de monde, donc plus passer 3 millions, pas vivre du tout. Ça veut dire, il n'y a pas qu'à manger, il n'y a pas qu'à la priorité, il n'y a pas qu'à l'eau pour boire pour baigner, il n'y a pas qu'à l'hôpital pour y aller, il n'y a pas qu'à l'école pour y aller. Qui donc, lutte contre la corruption n'est pas facile. Parce que dans la bataille, ça, ce n'est pas tout le temps où est contre qui est Wabgoum. Quand on pense Wabgoum à un monde, ou bien à un groupe monde, et puis, ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour cette raison qu'il y aurait l'entité ça qui est Wabgoum avec vous. Force fait noir. Ça veut dire, ou pas qu'à ouais. Je dis à les gens qui ont gardé détermination, moi, avec volonté, peuple haïtien, dans l'île toute corruption, ils ont obligé de sortir tête pour venir défendre la cause. La cause pas, c'est qu'un système pesé sous ça, chanlière. Ils ont manipulé le public avec gros campagne de communication pour transformer victime en bourreau, pour faire bourreau passer pour victime, pour faire mentir passer pour vérité, pour faire vérité passer pour mentir, pour faire innocent passer pour coupable et coupable passer pour innocent. Moi-même, je dis peut-être plusieurs fois déjà dans le discours. Moi, je suis payé de la vie. Manipulation, ça. Je décide de parler qu'on y a. Parce que faut peuple qu'on a la vérité. Faut peuple qui a clairement identifié qui est-ce qui est dans le camp. À qui est-ce qui n'est pas dans le camp. Qui est-ce qui est en mille et qui est-ce qui est l'ennemi. Qui est-ce qui a dit la vérité et qui est-ce monde qui n'a menti avec lui. Qui est-ce qui est en corruption et qui est-ce qui n'est pas en corruption. L'État perdit en pile l'argent dans le pays. Taxe à impôt, ça veut dire qu'il y a monde. Qui c'est Eran et Andoa, c'est eux qui disent qu'on veut payer. Et personne. Premier ministre qui l'a, ministre, parfois, pas qu'à dire le contraire. Et c'est pour ça matin, je demande à chaque monde, tout le monde, qui prend job l'État, je ne demande pas pour le courage, pas maintenant. Et ni ne demande pas. Qu'on obligé pour un risque. Mais ça m'a demandé aussi pour un job l'État, il faut faire la loi respecter. Il faut faire la loi appliquer. Il faut l'appliquer pour tout le monde. Exactement. Ni monde qui est riche, ni monde qui est pauvre, ni monde en dehors, ni monde la ville. Ou pas rien de faire l'appliquer. Et puis, il y a un monde qui connaît, il n'est pas là pour respecter la loi. L'État perdit un pile comme dans six facturations, dans messieurs pourcentage. Dans le vieux contrat champrel sous le peuple, dans la spéculation dans les affaires dollars, dans le chèque zombie, dans acheter équipement et matériel pour l'État qui ne va jamais livrer. Et l'État perd en pile l'argent, dans le fait vieux bénéfices suspects. Il y a un monde qui dit ça, il dit au président Bagage a existé depuis 10 ans. Pour qui ça c'est? Ou même qui voulait venir déranger. C'est ça qui finit dans le pays. Même Abdi. Il faut qu'il y ait un président qui est venu, qui peut te dire ça va continuer comme ça. Je ne pas là pour me voir Toya ni accuser aucun ancien président. Parce que bagalage pour que je vive aujourd'hui. J'aime dire aux journalistes avant hier,
C'est un cousin volcan. Nous tous qui là, n'a pas senti chaleur. Mais président, l'angan. Ça veut dire. Gen bagay pour arriver faire faut même oublier tes pau, faut même oublier la vie, faut même oublier existence. Et me voulais pour tout le monde comprendre ça contre le coq. Moi pas de bataille contre monde qui gagne l'argent. Lit pam nan c'est encourager tout le monde qui veut gagner l'argent pour faire plus l'argent. Mais pour faire l'argent dans bonnes conditions. Ça veut dire, vous payez taxes à impôts, vous comme ça doit, vous pas entrer dans aucune combinaison pour faire l'État signer vieux contrat champouel. Vous pas un fonctionnaire public qui a payé pendant ce que l'État, lui-même, l'argent qui a payé, il paye fonctionnaire public, yo même une capacité de payer 3 fois, 4 fois, 5 fois, parfois 10 fois. Ça avec moun j'ai un problème. Et ti reste en crédit maintenant, m'a toujours continué un problème avec eux. Parce que pour mettre pays à sur route développement avec bonne gouvernance, route croissance économique avec stabilité sociale, faut que l'État joue moyen pour ça. Et moyen qui n'a mon nom. Depuis, ou fait le mal. C'est normal pour nous demander pour remettre lui. Pour nous garder avec le peuple. Moi, songe, dans le mois de novembre 2017, je suis arrivé à Camperin. Je suis en visite de travail. Nous avons un gros fonctionnaire international qui travaille dans une grosse institution internationale qui t'accompagne. Là, moi, fini visite là. Fonctionnaire, ça a gardé. Il dit, mon président, est-ce qu'il me garde Zoom? Il dit, lui. Il m'a dit, est-ce qu'on comprend dans qui ça rentre là? Je vais l'expliquer. Je comprends parce que je fais mon président, je marche dans tout le trajet dans le pays. Découvre l'usine qui est embarrassée. L'usine tout neuf, hein, qu'elle est attachée. Tout neuf. Côté, il y en a un yo éliminé, il y a un cerveau. Je commande des cerveaux. Répare l'usine, ça. Yo. Premier qui me démettait sous pied, me démettait sa campagne sous pied, cap marché. Et qui asphaltait toute route dans la zone campagne, c'est le monde qui est dans le sud, cap gardé, cap tenu là. Avec un monnaie. Et dans l'époque, ça, pour te faire un kilomètre asphalt, badge, terrassement, non? Revêtement, l'État a payé 1 500 000 dollars. Et là, ça, kilomètre nous avons fait pas de même côté nous. Le nous commander bitume pas nous. Plus, nous connaissons la ravine du sud, c'est une rivière qui a plus de matériaux que dans le pays. Et gravel là, ça veut dire usine agrégate installée à côté de la ravine du sud. Ça veut dire que ça nous a besoin, c'est trois bagailles. L'argent pour nous payer, ouvriers, techniciens, ingénieurs, que l'État a payé déjà. L'argent pour acheter bitume, non? Et puis comme pour acheter gaz, mettez dans l'équipement. Ça veut dire, là nous faisons calcul combien de bon kilomètres de route t'a coûté nous, à l'époque, ça, en 2017, là, en novembre, nous avons dépensé 50 000 dollars. Là nous acheter bitume, non? Qui coûtait nous environ, à l'époque, là, qui te vend 2 dollars et quelques gallons, qui coûtait nous moins que 30 000 dollars. Quand il y a un connel, il peut être à vendre
plus bon marché même pour l'État. Là, nous fait calcul, nous voyons que nous avons dépensé environ 50 000 dollars. Et puis, là, nous finissons réfléchir, dame, pour l'expliquer, mais dans la tête, nous, la travail, il dit que le secteur BTP, pour nous comprendre bien, BTP, c'est bâtiment et travaux publics. C'est une plus grosse mafia qui existait dans le monde. Pas moi non, je cite le monde qui te dit ça. Corruption qui gagne dans ce secteur, ça, pour aller virer contre. Et là, elle vire contre. Là, tout est un missile avec une tête nucléaire pour venir détruire avec tout équipe. Là, tout est un fret cap calo ou pas pour écouter le coup de fret là aussi. Moi, je suis de vivre pendant 2 ans. Pays lock, instabilité politique. Pendant 3 fois. Gros acteur corrompu utiliser le peuple pour ouvrir la caille. Pour te faire connaître ça, que Ville-Brigham, ça me connaît. Je dis dans la radio, dans la télévision. Et mais grâce à Dieu, jusqu'à aujourd'hui, à moi là. Maintenant, ça, il était visible. Et malheureusement, le président Jovenel Moïse Badjem te prend disposition lui-même pour stopper. Les nègres qui ont fait planification, ça. Moi-même, je t'ai stoppé. Les nègres pas là. Et nous pas de droit pour tout. Nous pas de droit arriver tout. Et c'est ça qui me fait mal. Le commandant Philippe fait déclaration ça. Il dit clairement, s'il était là, le président va mourir. Et où est vrai, président a bon monde qui a courage, qui a côté le carré de la bataille contre ça. Et Jovenel a obligé de tendre Guy Philippe. Malheureusement, président tout lui-même, même tête des fois, il n'a pas tendu. Parce qu'on n'a pas mené qualité de bataille ça. Pour ce matin, il a bonne sécurité. Et c'est même Zam Sayo qui mangeront encore. Moi là, je continue à gommer. Parce que. Moi, je crois que c'est la corruption qui crée une grosse distance entre les gens qui sont riches en pile et ça qui est pauvre en pile. Tout pays qui pratique exclusion économique n'a jamais une stabilité sociale. Jamais. Ou l'État, c'est chercher bon genre équilibre dans mes yeux économiques. La prend yo pour ni moun ki riche ni moun ki pauvre ka vivre ensemble dans une société qui chita sous équilibre. Ou l'État se fait promotion justice et équité sociale. Ou l'État, c'est pas mettre le bon côté monde qui pi riche et abandonner si là yo qui pi pauvre yo. Même gens ou pas jamais entendre président Jovenel voye moun qui pa gen moyen à le craser, à le briser, à le bouler, ça fait moun qui gen moyen. Même dans tout yo encore. Et bon moun. C'est pour les gens qui ont moyen ou qui ont plus de moyens toujours. Mais, si les gens qui ont comme l'État dans la main, bien l'État dans la main, dans mauvaises conditions, nous avons retiré la main pour nous mettre la main au peuple. Déclaration ça, l'offel, ou tu es supposé qu'on garde son casson, qu'on s'aboque autour. Président, ou tu es sénateur. Et qui différence ou tu as fait? Qui sont pensés ou te capoté comme différence? Premièrement, je suis sûr que le président Jovenel va mourir. Ah bon? Je pense ça. Deuxièmement, le problème de sécurité, ça va arriver là. Non seulement nous avons mis des structures, nous avons aidé le président à comprendre et forcer pour le pays à bonne sécurité. Deuxièmement, nous avons forcé tout pour gagner un bagage social qui vous fait pour les jeunes qui tomber dans la délinquance et juvénile que vous tombez. Jovenel?
bon, je fais campagne ensemble avec le président Jovenel et je suis capable de me déprocher, nous faisons campagne ensemble et je suis remis et discours, je suis remis le projet, surtout électrifié tout le pays. Je pense que son bagage qui était très bon, qui était très bon et barrage que vous avez fait pour porter de l'eau par les paysans pour l'agriculture et pour production nationale. Là. Oui, je pense que je suis capable d'influencer et si je suis là encore une fois, je dis il va mourir. Mais l'autre dit pas pour rien, comme ça. Dans quel monde nous avons quitté pour toutes les personnes qui sont rentrées dans le pays, toutes les personnes qui sont rentrées dans le pays, pour nous braquer. Dans quel monde nous avons quitté le premier attentat complot sur le président en janvier, et puis on n'est pas fait, juste à ce qu'il a assassiné en juillet. Non, non, ça, monde, ça va pas passer. Monde qui assassiné le président, c'est des proches présidents, il y a plus de monde qui pense ça. Eh bien, il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Il va la priver. Bon, est-ce que vous pensez que sacrifier le président Jovenel là, ou même le président, ça va pour vous? Je ça arrive premièrement mon bagage bonne sécurité. Agent sécurité c'est moi qui a choisi ça. On va prendre agent et sécurité mon. Deuxièmement, si mon position prend net et mal là-dedans, on va hésiter. Position moi pour être là-dedans, on va là-dedans. Et m'ta pas sûr que mon sécurité, on pas capable faire révolution, on pas capable changer l'état. Tout ça président Jovenel t'a dénoncé. Il pas capable faire s'il pas assurer sécurité parce que t'a tué quand même. Et m'te dit ça. M'te dit ça ici à Corail. Corail qui tout près. Je me suis dit moi Mme Martine Moïse. Je dis que j'ai pris un palais, vous connaissez pas assassiné. Et pour équipe a assassiné. On t'a dit ça? Avant de kidnapper, je dis. Mais ça faut que tu ça. Parce que discours. Parce que j'en ai parlé là, réforme libérale fait, sale deal pour le faire, agriculture. Ou pense que c'est mafia qui a fait importation abusive du riz. C'est plus qu'un milliard de dollars, ils ont importé du riz. Le président, même Maga là. C'est même Maga là pour le faire face. Je vais neutraliser. Je vous garantis qu'il y a neutralisé. Il y a 20 travail pour développer un pays d'Haïti ou bien neutralisé. Il n'y a aucun monde qui a quitté. Parce que c'est même bagarre là sous ta président. C'est même bagarre là pour le faire face avec. Mais c'est ça, le président Jovenel était hésitant. Le président Jovenel son guidé, son pelier. Puis monsieur est allé en paix ou bien il fait pasteur. Parce que comment vous voulez dire, on va battre un système corrompu comme ça. Comment vous voulez dire, on va battre avec des nègres qui font des millions par semaine ou bien qui importent des milliards de dollars dans le jury. 20 blackouts dans le pays. Comment pense-t-on qu'on va battre avec ce système ça et pouvoir même contrôler la sécurité? Pour pouvoir contrôler la sécurité. Moi-même, je dis que ça, c'est des questions, c'est des bagages pour n'importe monde qui veut Haïti, river côté Livian, nous pas obligé de travailler sur eux. Il faut que nous suspendions la question d'importation abusive, une série de bagages que nous avons fait en Haïti. T'as coup du riz, t'as coup pas de tomates, t'as coup l'huile. C'est ici en Haïti pour faire. Je, c'est ici pour faire. Poule, c'est nous pour faire pour nous. Comment vous voulez dire, tout ça qui a produit, nous quittons la mafia à l'autre pays, contrôler le pays politicien en Haïti, et puis nous-mêmes craser la production nationale. Accepter une série d'aides qui a tué le pays. Premièrement, ça, le président Jovenel a fait ça. N'importe quel président fait, c'est 10 blancs, s'il vous plaît. Pas bonne aide encore. Aide ou pas bonne aide, nous n'avons pas besoin d'aide. Guy, économiquement, qui j'en vive, je veux dire. Ou bah oui, ils sont grands propriétaires terriens. Vous voyez combien de jardins de miens. Non, il y a un petit business, il y a un petit autre MDA là. Ok. Je n'ai pas besoin de pile pour me vivre, je n'ai pas besoin de pile pour que je me vive. Donc, très bien, commandant Guy Philippe est dans la ville de Pestel qui a fait marché. Vous comprenez, qui est extrêmement. Aider, essayer d'aider dans l'orphelinat. Je dis Guy Philippe, c'est drogue dealer. Quoi de drogue là? Pour ça, c'est pour l'argent, comme vous dites, c'est l'argent. Ce qui est intéressant, c'est que Guy Philippe dit clairement, s'il était la président, pas de mourir. Et ça m'a toujours dit. Li pas possible pour président Jovenel Moïse te kembe même sécurité Joseph Michel Martelly te balé yo on ti volé on ti assassin on ti drogue dealer on ti pillageur tant que Dimitri Ra volé vicieux tant que Jean Lagel civil Amazon pas quitter banti corrompu ça banti volé ça on a parlé national toujours c'est soit touyer yo ou bien faire voler qui te parler a ou mettez moun de bien moun ki moun pa ou saute la caillou avec yo. Qui ça fait Jovenel Moïse pas de cas des jeunes garçons dans le nord-ouest si vous elles font pour une formation là dans sa fait sécurité inviter des amis chercher des amis pour une compagnie sécurité étrangère pour une bonne sécurité parce qu'on fait l'état rentrer on s'est dit l'argent qui pas une personne qui t'a fait l'état rentrer ou de réinvestir 10 millions de dollars américains dans sécurité ou on n'est pas tout yo mais malheureusement j'ai commandé Philippe Dia président Jovenel Moïse c'est ton bon père de famille il était plus sable au père l'église. On a qui peut faire sans couler pendant que Negio a planifié pour faire sans couler. Si je suis chef d'État, je ne peux pas faire ça.
si je suis chef d'État, je n'ai pas rêvé de faire ça. Le président de la République, je ne peux pas dire ça comme témoin. Je n'ai pas rêvé de la vie. Le président de la République, je quitte le 7 février 2021. L'année où tu as fait tentative coup d'État assassinat, le président de la République, moi-même, Breto, ton est boule, je m'ai tout et tout. Il y a des gens qui ont existé. On va faire coup d'État, planifier assassinat, moi-même président, pour qu'on vive, ou nous tous tapons mourir. Et c'est une obligation pour qu'ils mourir. Et c'est une erreur qui cause pas mourir. C'est une erreur que Jovenel Moïse et patrouille. C'est une erreur qui cause ouais, il aurait bon deal, il faut le 7 juillet 2021, il massacre comme président. Moi, 7 février 2021, tout le monde qui est dans le petit bois, tout tape mourir. Et l'État tape touye toute tête. Bonjour tout le monde qui est là-bas.